Eh bien, bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles, quatrième édition. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélien Lévesque. Bonjour Aurélien. Coucou Narissa, hello, bonjour tout le monde. Alors Aurélien, tu vas nous parler de vraiment une thématique qui est très précieuse, qui est de comment en fait les anciens. On va l'appeler comme ça, voilà. Les anciens peuvent transmettre aux nouvelles générations, comment ça peut se passer, voilà, dans tout ce climat qui se passe en ce moment. Mais avant voilà, d'en arriver à ton sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Bah, j'ai grandi dans une famille traditionnelle, éducation judéo-chrétienne, tout simplement. Et voilà, et donc j'étais au contact de notre culture occidentale classique, mais je me posais quand même des questions. Voilà, je sentais une certaine reliance à l'énergie, j'avais une connexion intuitive à tous ces sujets-là et un certain intérêt. Et donc, je pratiquais de façon intuitive, de temps en temps, la méditation. Et j'ai reçu en 2016 un livre sur l'alimentation vivante. J'ai commencé à fouiller ça. J'ai fait une expérience de jeûne. J'ai perdu 10 kilos. Et au cours de cette transition, d'abord alimentaire, il y a tout plein de choses qui sont passées dans ma perception de la réalité, dans ma perception des choses, dans mon ressenti. Également dans mes rapports avec ma propre famille. Alors tout ça s'est soldé par une explosion dans mon couple. Et au cœur de cette explosion, j'étais un peu laminé et tout ce que j'avais trouvé à faire, c'était une méditation à ce moment-là. J'étais plus bactère et qu'est-ce que je fais? Je fais cette méditation. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe un phénomène. Alors que j'ai pas réussi à décrire pendant longtemps, donc j'ai découvert récemment le terme samadhi qui vient en fait du yoga, voilà, et qui décrit donc une forme d'illumination spirituelle, de la lumière blanche, un flot d'énergie qui s'abat sur toi. Donc moi c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, et c'était absolument incroyable. Et ce que je trouve intéressant, c'est la comparaison la plus précise que je peux apporter, ce serait de comparer ça avec l'orgasme, en fait. Sauf que là, ça se passe complètement au niveau énergétique et que ça vient d'ailleurs. Voilà. Donc, c'était un ressenti absolument incroyable, une expérience incroyable. Et donc, à partir de là, c'est toute ma perception du monde, de la réalité, a commencé à changer. Et mes perceptions, enfin, les vérités que j'avais sur le monde, ce que je pensais savoir, enfin, tout ça s'est érodé au fur et à mesure. Ma compréhension du monde, de la politique, de la société, de la famille, de l'amour, enfin, tout, voilà, tout a commencé à switcher. Tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Et justement, ça n'a pas été trop difficile de cette bascule, on va dire, de passer de cette ancienne vision du monde à la nouvelle? Alors, il y a eu des passages incroyables, il y a eu des passages difficiles. Alors, là où je suis très heureux, c'est que ma compagne a cette compréhension et cet intérêt. Donc déjà, au cœur de mon foyer, une fois que le foyer était réparé, déjà on a pu en parler, on a pu cultiver ça. Après, le point le plus marquant, c'est qu'il y a eu un temps de brisure assez franc avec mes parents, avec ma famille qui ne comprenait pas mes choix, qui ne comprenait pas ma transformation physique, parce que perdre 10 kilos en 4-5 mois, ça se voit et ça fait peur. D'autant plus que quand on passe par une cure, donc là c'était une cure de jus, mais je ne faisais même pas consciemment une cure, c'était juste je consommais des jus, on maigrit très fort, donc on semble maigre. Après, au fur et à mesure du temps, le corps se rééquilibre, mais voilà, donc il y avait une transformation physique très nette et j'avais des propos aussi. Qui changeait, une compréhension du monde qui changeait, qui entrait en opposition directe avec ce qui m'avait été transmis pendant l'enfance, pendant l'adolescence. Donc ça fait peur aux proches, voilà. Et donc ce qui est génial, c'est que ça a amené à briser certains statu quo, ça a amené à des crises. Et donc là aujourd'hui ça va mieux, voilà. Enfin ça c'était en 2016, donc là maintenant ça fait 5 ans, donc tout a évolué entre-temps. Enfin moi j'ai eu mon fils aussi entre-temps, donc voilà, c'est un nouvel équilibre s'est posé. Et ce qui était amusant, c'est que l'année précédente, en 2015, je lançais mon activité, Studio Réal, qui permet de faire revivre les archives familiales, les cassettes vidéo, tout ce qui traîne dans le placard, dans le grenier, dans un carton. Voilà, je fais revivre tout ça. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que je vivais mon entreprise avant cette expérience de façon très,
très classique, très businessman, et j'avais lancé ça pour l'opportunité financière, quelque part. Et après ça, au fur et à mesure, ma vision du business a aussi évolué, avec un besoin d'aller plus vers le cœur, d'aller vraiment sur l'humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été le point par lequel j'ai pu différencier, faire évoluer et faire fonctionner mon entreprise. Et également aussi par le service, c'est-à-dire que moi, je travaille pour les familles. Et donc, ayant moi-même l'expérience de cassage du statu quo et d'être amené à créer des ponts, à prendre le temps de discuter, ayant fait moi-même la digitalisation de mes archives et l'ayant offert à ma famille, ben voilà, j'ai commencé à proposer la même chose avec la même approche et la même invitation à mes clients de créer du lien aussi avec sa famille, à travers moi. Voilà. Donc moi, je suis un intermédiaire pour mes clients pour aller recréer le lien familial, surtout quand on est proche, mais surtout quand on est à distance. Voilà. On voit que le monde aujourd'hui change complètement, perd complètement ses repères. Pourquoi, selon toi, c'est important, la famille, et comment la famille peut évoluer, parce qu'il faut réinventer tout, donc, dont les liens familiaux aussi. Comment tu vois les choses? Ce que je trouve intéressant avec la famille, ouais, j'aime bien la voir comme une interface avec le monde. C'est-à-dire qu'on a, quand on interagit avec le monde, il y a plusieurs niveaux comme une fractale. Il y a moi avec la famille, moi avec mon réseau d'amis, de proches, moi avec toute l'humanité, et moi avec, on peut dire même, les énergies subtiles. Enfin, à chaque fois, on est un être différent avec ces différents niveaux. On a un comportement un peu différent avec chacun de ces niveaux. Et dans le cas de la famille, ça concentre un nombre de non-dits, de statu quo particulièrement concentrés. Et c'est vrai que c'est dommage parce que, alors que d'un côté, notre famille rassemble les personnes qu'on aime le plus, c'est souvent et malheureusement aussi les personnes avec lesquelles on est le moins naturel, on est le moins spontané. Enfin, la façon dont on interagit avec la famille est en connexion directe avec comment on va interagir avec... avec le monde, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'aller à la recherche de la réparation du lien? Est-ce qu'on est capable d'aller briser ce statu quo pour faire émerger une famille plus forte, des liens plus forts et une envie de construire ensemble, d'aller au-delà de la peur qui est actuellement que va devenir notre famille? Beaucoup de grands-parents qui se questionnent. Quel est le futur qui attend nos enfants, nos petits-enfants? Voilà, c'est ça aussi, c'est que la famille, ça concentre beaucoup de peurs, ces peurs-là, qui sont transmises également aux enfants. Et ça, un grand but de la société de demain, c'est de transmuter cette peur. Voilà, c'est de faire en sorte qu'on se réapproprie la foi et la conscience, la foi et la confiance dans l'avenir, et que plutôt que de craindre, qu'on se pose des questions, comment on fait pour pouvoir réparer, comment on fait pour pouvoir transmuter ce bazar, pour transmuter ce burn-out du monde, comme tu le décris, comme une renaissance du monde. Voilà. Donc là, on est tout plein à œuvrer sur cette question-là. Et la famille, ça fait partie des sphères qu'on peut actionner dès maintenant. Voilà. Ça prend du temps et beaucoup de ressources d'aller œuvrer pour le monde, mais on peut déjà œuvrer dès maintenant avec sa famille. Et c'est ça aussi qui me plaît énormément avec ce sujet de la famille, c'est que c'est accessible dès maintenant. Il y a du travail à faire, il y a du pain sur la planche dès aujourd'hui, quoi. On peut, comme avec soi. Avec la famille, on sort de soi, on va vers l'autre. Donc c'est une strate vraiment intéressante dans ces différentes strates du soi. Comme tu le dis, c'est vraiment comme une fractale, donc on peut faire un zoom sur l'état des relations à l'intérieur des familles, de soi à soi et de soi dans la famille. Et comme tu le dis, notre façon de vivre avec les autres, d'entrer en relation avec nos proches, que l'on soit faux, que l'on soit complètement vrai, qu'on n'ait pas peur de se placer ou qu'au contraire, on se mette des masques. Ça va être la même façon de vivre de soi à soi, finalement. Est-ce qu'on continue à se mentir ou est-ce qu'on va vraiment s'ouvrir à qui l'on est vraiment? Donc, oui. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces facettes du soi fonctionne en vase communicant. Je commence à travailler sur la famille, ça va répercuter comment je travaille sur moi, comment j'interagis avec le monde. Enfin,
En fait, voilà, c'est chacun peut démarrer avec la strate qui lui parle le plus. Moi, j'ai commencé par une forme de travail individuel, introspective. Voilà, puis après, je vois comment ça a rejailli sur les strates externes de ma réalité et de mon rapport aux autres, la famille, les amis, ou la société globalement. Voilà, donc, ouais, Ouais, c'est c'est une ça. autre voie de, on va dire, on voit les voies d'éveil classiques et tout, mais là c'est vraiment une voie ancrée, puisque vraiment disponible, et puis on est vraiment au quotidien avec sa famille, donc c'est très très important ce que tu transmets, c'est très chouette d'ailleurs, parce que nous, dans les sociétés occidentales, on n'a plus du tout ce lien avec les ancêtres, avec nos parents, nos grands-parents, alors qu'elle est encore très présente dans d'autres cultures. Par exemple, en tout cas, moi je connais la culture asiatique et aussi ben, les cultures, d'autres cultures en tout cas, mais c'est vrai qu'en France, il y a comme un morcellement et là, il y a vraiment besoin Oui. de retrouver des liens sains. On a du mal à le valoriser, ouais. Enfin, en effet, c'est vrai que une des plus grosses questions en ce qui concerne les, voilà, c'est nos anciens ou nos jeunes seigneurs, ou appelons ça comme on veut. Voilà, c'est les inquiétudes. Voilà. Enfin, les grands classiques, c'est les inquiétudes de maisons de retraite ou des choses terribles comme ça. Enfin, on voit pas en fait comment nos jeunes anciens vont avoir un rôle pour aller continuer à soutenir la famille, en fait.